Bonjour tout le monde, Sam, le compte, on se retrouve pour une vidéo, c'est que nous allons faire des niaiseries sur Instagram. La fond, nous allons prank du monde sur Instagram, genre je m'appelle Gros Jambon Miam. Bon, je me suis abonné à quelques youtubeurs, ben, je me suis désabonné parce que je comme... Tu peux voir quoi? Là... Wow. Wow. Ok. Je n'ai aucune idée de ce qui vient de se passer. Donc vous voyez, je viens de m'abonner à deux comptes fake de grands youtubeurs. Ah, ça va bugger de même encore. Putain. Oh. Bon, j'ai déjà un message. Bonjour, félicitations, vous êtes choisi parmi les participants. Par hasard, le moteur de recherche de notre coco appelle Apple. Tu as gagné un iPhone X plus. Plus alors, quelle couleur avez-vous à l'esprit? Rouge, gris, rose, gold, noir. Et quelle capacité voulez-vous? Wow, mon Dieu. OMG, mon YouTuber préféré. Alors, faut savoir qu'il y a des YouTubers que. Il y a plein de comptes fake qui ont été faits de ce youtubeur. Donc moi je me suis dit, tiens, il y a plein de monde qui a déjà fait des vidéos de ce genre-là, mais pourquoi pas enfin, des niaiseries. OMG, mon youtubeur préféré. Oh, il vient de voir mon message. Oh, il met un cœur. Ok, ouais. Donc là, je vais lui dire... Je peux avoir un iPhone X. Attends, un iPhone X. Attends, quelle couleur il a pas dit? Bleu. Je peux avoir un iPhone X bleu. On va lui demander ça. On va commencer tranquillement. Ah, il vient d'avoir notre message. Ok. Bonjour. Ok. Vraiment. Trop cool. Et on va commencer doucement, doucement. Pas trop aller trop vite. Faut aller doucement. Wow, il a aimé son... Par là, il a aimé son propre commentaire, comme il ose. Comment je fais? Ok, ça marche bien. Donc là, je vais demander comment il fait, comment je fais pour avoir l'iPhone. Pendant qu'il essaie de répondre, je vais m'abonner à tout YouTuber. Mettons, regardez ça. Y en a-tu là-dedans? Non, il n'y a pas l'air d'avoir de youtubeur. Donc. Ok. Je suis vraiment obligé. Après ça, on va commencer à niaiser. Donc, si maintenant on écrivait. Oui, Squeezie. Ok, on s'abonne à Squeezie vite vite. Bien sûr. Ok. Mon nom est Steve Jobs. Mon nom est Steve Jobs. Mon adresse est 666 rue de la Merde. Mon code postal est
G 5 T 3 J5 et je vis en Corée du Nord. Voilà. Donc, mon nom est Steve Jobs. Mon adresse est 666 rue de la Merde. Mon code postal est J5T3J5 et je vis en Corée du Nord. C'est correct ça? Je mets des écouteurs, mais ça sert à rien juste pour que vous m'entendiez mieux. Ben, j'ai un micro! Ok. Donc. Bon, ça a ben Squeezie. Ok. Ah non, ça bug. Ah. Attends, monsieur Bonnet, est-ce que j'aurai des suggestions de YouTubeurs? Non. Est-ce que je peux écrire YouTubeur? YouTubeur. Je l'ai dit. Donc, ok, il demande comment on paye. Bon, regarde, je l'ai dit, c'est la Corée du Nord. Voilà. Je l'ai dit, c'est la Corée du Nord. Oh, il regarde le message en ce moment. Là, il est en train d'écrire. Qu'est-ce qu'il va répondre? Je sais pas. En France? Non. En Corée du Nord. Tu sais. Tu sais c'est où? Donc on va lui demander s'il sait. Parfaitement, cher fan. Bah, le système de jeu te demande 5 codes d'accès pour que tu reçois ton iPhone X rapidement par colis avec les services FedEx à ton adresse pendant 24 heures. Ok? Ok, trop cool. Attends. Trop cool mec. Voilà. Ok, trop cool mec. Donc, on vient de le répondre. Qu'est-ce qu'il veut nous répondre? C'est fait, c'est je t'explique. Utilise le fixe maintenant pour avoir tes 6 codes. Il faut appeler 6 fois à blablabla. Écoute le répondeur. Il te dit le code. Après, passe-le-moi. T'inquiète pas, cher fan, tu vas rien payer. En fait, mais t'as pas compris, j'ai déjà acheté les codes, t'inquiète, tu vas rien dépenser car ça va débiter sur mon portable et toi, t'as rien payé. Mais s'il affiche le prix, t'inquiète, je te jure, fais-moi confiance. Ok. Le premier. Attends. Oh, j'ai déjà. Oh, bah, quelqu'un a commencé à me suivre, ok. Les codes ont combien? Ont combien de chiffres? On va continuer d'être un petit peu dans le jeu. En attendant, nous allons accepter. On va s'abonner à lui. Oh, encore un. Il n'y a rien. Attendez un instant. Ok, donc il m'a répondu, mais il n'a pas vraiment répondu à ma question. Il a dit, appelle le numéro et écoute bien le répondre. Oh, quelqu'un s'est abonné. Plein de monde n'aurait pas de s'abonner à moi. Donc. Ok. On va le faire patienter comme si on appelait. Donc, en attendant, s'abonner à tout le monde. On va attendre. Pourquoi ça me dit que je dois payer 2 euros la minute? Donc, je vais vous lui dire ça. Oh! Encore quelqu'un commence à nous suivre. Ça m'a parlé de mon très 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 populaire. Je sais pas pourquoi. On va regarder. Ok, ouais. Ça, c'est dans le fond, c'est du monde par rapport, ok. Donc, par rapport dans nos affaires.
Pourquoi ça m'a dit que je dois payer 2 euros la minute? Donc, bon, pour moi, c'est des dollars, je devrais dire, mais il est français. Pour lui, c'est comme si j'étais français, même si j'ai dit que j'étais en Corée du Nord. Ça doit être un robot. C'est normal qu'il va te dire le prix parce qu'on a payé la ligne de numéro que je te donne. Tous les paiements pour toi, c'est gratuit. T'inquiète pas, même si le répondeur dit que c'est 2,99 €, appelle, mais 0 dollars, mais 0 euros minimum. Mais ça débite de notre crédit car on a payé 500 euros pour les cotes. Tu ne vas pas être facturé du tout, c'est juste temporaire. Nous occupons les frais, sont gratuits pour les participants, même le prix s'affiche. Ok. Je te donne le premier code. Ok, là je lui dis que je vais lui donner le premier code. Donc, on va dire que c'est 6660 2235 et 772715. Attends. What? Pourquoi il me dit bye? Quoi, il y a un problème? Lui veut que je m'abonne à sa chaîne. On verra tantôt. En caméra. Ok, donc là, il fait quand même à nous laisser là. Écoute, cher fan, le prix que ça fait, nanana. Ok. Mais si je. Si ça me coûte vraiment de l'argent, je vais le dire à mon père Kim Jong-un qui va te lancer des hot dogs qui ont le visage de Donald Trump. Donc l'autre il me dit c'est gratuit puis tout, c'est fiable à 100%. Je dis ok, mais ça me coûte vraiment de l'argent. Je vais le dire à mon père Kim Jong-un qui va te lancer des hot dogs qui ont le visage de Donald Trump. On va voir c'est quoi qu'il va répondre. Je trouve qu'il répond. C'est pas une arnaque, je te jure. C'est pas une arnaque, je te jure. C'est une association que je connais. J'ai fait un concours et j'ai réussi. Et il m'a donné ça comme cadeau. Oh, l'autre, il commande des photos. Ne vous inquiétez pas, c'est gratuit pour les codes car ce numéro, il nous appartient. Répondant, etc. Je venais. Ça ressemble à. L'affiche chez McDonald's qui dit que la drogue c'est mal. Ça ressemble à l'affiche chez McDonald's qui dit que la drogue c'est mal. On fait ça pour niaiser. C'est plus drôle comme ça. Donc on va voir c'est par quoi il va répondre. Ou va-t-il nous bloquer? Je ne sais pas. Attends, en attendant, on va regarder. Il y a quand même. Non mais. C'est clairement pas du bon shape ça. C'est pas du bon shape ça. Il est dégueulasse. Il est quand même. Vous voyez, toutes ces personnes. Ah, c'est moi là. Ah, gros jambon, Liam. Toutes ces personnes-là. Ils sont tous abonnés, puis ils pensent que.
C'est le vrai, mais c'est même pas le vrai. Ça ressemble à l'affiche chez McDonald's qui dit que la drogue c'est mal. Il a vu le message, est-ce qu'il va répondre? Je pense qu'il sait pas quoi dire. On vient de l'avoir. On l'a eu. C'est drôle. Façon. Ça se voit que c'est pas Thibaut InShape. Check son nom. Thibaut InShape. Carrément. 2S, 2I. Je te crois pas. Kim Jong-un va venir te botter les fesses. Bon, on va voir si c'est quoi, par quoi il va réagir. Kim Jong-un va venir te botter les fesses. Pourquoi tu ne réponds plus? Je suis le gros jambon miam. Bon, pense qu'on l'a eu. 16 minutes de vidéo, puis tout ce qu'on a fait, c'est... Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Si j'appelle la police. Kim Jong-un va venir te botter les fesses. Je veux pas répondre. Nya. 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 Bon, je pense qu'on va s'arrêter ici. Hein. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez, je pourrais faire ça, mais avec du monde que je connais, qu'on va les prank. On va prank du monde que je connais. Que je connais dans la vraie vie. On pourrait faire ça. Donc, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Mettez un like. On se retrouve la prochaine fois. Pour la prochaine vidéo. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un épisode 2, mais qu'on prank du monde que je connais. Et aussi, dites-moi si vous aimez mon dessin. J'ai fait un beau dessin. Il s'appelle Big Papa. Il est beau, hein? Donc, c'est ça. On se revoit la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!